Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retro World et de Push Start. Voilà, c'est les décalages comme à la télévision. Quand le mec sa tête elle bouge pendant 2-3 secondes. Hein? Paris, je vous entends, ça branouille tout à fait. Hein? Il bouge sa tête puis il dit Oui, tout à fait. Ici, c'est la fin du monde. Je tenais à vous le dire. Voilà. Et donc, on se retrouve, vous avez pu le voir, sur Superman. Superman. Mets de l'argent. J'ai mis de l'argent. Mets des pièces, Butter, c'est bien. Et j'appuie sur Storm. Je laisse appuyer. Hein. Faut que tu appuies aussi. Superman. Et il est avec Sinistro. Ah, on avait vraie musique. Je crois que c'est la seule coup qui vient de regarde, Superman. Coup de pied, coup de poing. Voilà. Donc voilà, un jeu qui mélange du vite et molle volant. Oh, ah, je peux jeter. Ah non, j'ai cru que je pouvais jeter des boules. Bah oui, tu peux. Hadouken! Tu charges. Avec le poing. Ah ah, je suis en train de défoncer Flash. Et après. Ah, j'aime pas lui. Oh là, comment il m'a défoncé. Ouais, on voit que t'es pas le vrai Superman. Hein. Ah merde, j'aurais pu mettre un coup de pied. Voilà, faut prendre les réflexes. Je sais pas si c'est un double ou si c'est, comme je disais. Enfin, je sais même plus s'il s'appelle Sinistro le double de Superman. Hein, dites-le dans les commentaires. Oh, Hulk! Allez, ma grosse. Oh, t'étais mort! Ah putain, le mec il te met deux coups, tu prends deux barres. Ah, t'étais direct. Mort! Ouais, Dixit, le mec il va bientôt me rejoindre. Je m'appelle pas Dixit. Ouais, Dixie Pix. Oh, ça met la garde! Ah, les mecs ils connaissent la garde! Bah oui, surtout les. les gardes arrière, oui. Petite pub en passant. Voilà. Ken, si un jour tu nous regardes, voilà. Oui, voilà, on regardera jamais, à moins si on fait du baston, mais encore. En Flash. Il se tait. Non. Ouais, Flash, ouais. Comment il s'appelle Torche humaine. Oui, on fait des. Effectivement, ils sont pas dans le même monde. Boum. Hadouken. Ouais, on peut voler. On va continuer à voler, c'est bien, non mec, Superman on vole. Non mais on était déjà en train de voler hein, pendant cette phase là. Non ah. Mais voilà, moi je parle de voler, voilà, genre comme ah, ça. Ah, coup de pied, bam. Toi, coup de laserisation, comme j'aime le dire. Moi j'adore laseriser, quoi, tu vois. Je suis un laserisateur. Ah, la dernière fois j'ai vu un épisode de... Ah, j'ai vu beaucoup d'épisodes de Family Guy. Oui. Et il faisait un truc sur Superman en fait. Et tu voyais Lois Lane, tu voyais Lana Lang et je ne sais plus qui. Ah, Lana. Et qui disait oh, on comprend pas, on a été chez le médecin, on a tous un cancer du sein, comme si quelqu'un nous avait mis sous des radiations notre poitrine, machin. Et puis tu vois Clark qui dit ah bon, c'est bizarre. C'est chelou. Comme si qu'on a été bombardé de rayons X, c'est ça. Il disait ah bon ? Oh, comment c'est ? Peter, il doit adorer ce jeu. Pourquoi ? Je suis sûr. Bah, tu peux rester appuyé sur le bouton laser. Ah, je savais pas, j'ai martelé. Ah bah voilà, tu le sauras pour la prochaine fois donc. Ah, t'as sauvé, on a sauvé San Francisco ? Non ? Ou on va à San Francisco ? Ah, je crois qu'on va plutôt à San Francisco. Flash, il vole ? Bah oui. On m'aurait donc menti ? En fait, il va tellement vite. Tiens, un coup de pompe. Oh là. Aïe. Oh, il m'a rendu mon coup de pompe. Faucon. Genre, il m'a mis un coup d'aile. Ça a fait du vent. Je suis Superman ou je suis pas Superman? T'es pas Superman. Ah oui, je comprends pourquoi on meurt. Le mec qui tient la Terre dans ses mains, là. Oui. Il bloque un peu le soleil. On n'a pas tous les bah rayons. Oui, je te l'ai dit. Aujourd'hui, il doit faire plus vieux, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Le temps est couvert, Superman il a pas tous ses pouvoirs. Oh, Spider-Man! Ah bah oui, non mais on va voir, tu me connais quoi, là il y a de la star dans le jeu.
Non mais faut le dire, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, il y a de la star. Ah bah... Il y a du people. Ah mince, je suis pris dans sa toile. Ah oh. Ah oh, enfer et damnation. Damnation et enfer. Ah oh. Aide-moi, Clark. Bah démerde-toi. T'as commencé tes galères pour sortir le jeu. Le mec en plus il balance des noms. Oui bah t'es... c'est bien de prendre la vie quand t'es blindé, quand t'es... Oh. Bah j'ai pas fait gaffe hein. Ah bah tu sauras que les boules bleues c'est la vie. Vu ce qu'ils nous enlèvent... Ouais ils en donnent pas beaucoup hein. Bon j'ai fait mon premier push-tard. Ah il est pas mort lui. Ah c'est le boss. Ah c'est le boss ça. Enfin un demi-boss peut-être. Je pensais que c'était un mob. Bah c'est le premier qui fait pas boss j'ai envie de te dire. Attends laisse-le descendre. Ah bah voilà tu l'as tué. Ah ouais c'est un mi-boss. Oui c'était un mi-boss. Après l'amiibo... Pourquoi on est monté puis on se retrouve dans les... dans les égouts. Ah bah il faut monter pour mieux descendre. C'est bien connu. Bah oui, non mais c'est des égouts. Ah les grilles se protègent quand tu mets un coup de poing. Mais un coup de pied ils savent pas qu'il faut se protéger. De toute façon ils sont toujours pour toi les grilles. Lui il m'a fait mal. Tiens, tu me feras pas de mal de faux. Mais genre, oh là là, l'autre qui se fait frapper par des... par des lots, non mais attends... Non mais c'est le premier crédit que je perds, monsieur. S'il vous plaît, hein, respectez-vous. Oh waouh. Oh, le coup de poing dans la bouche. Tais-toi. Oh, il t'a refait la mâchoire, il m'a dit. Ah mais comment il enlève beaucoup. Bah bien voilà, sûr, c'est un boss. Hein. C'est pas Jean-Claude. Non mais, il te met deux coups, quoi. Tiens, Hadouken. Ouais, c'est pas Jean-Claude, le mec, nous, on lui a mis trois coups. Ah, du vol. Enfer et damnation. Ah oui, on peut rester appuyé. Moi, je connais pas cet endroit de San Francisco. Si, ça c'est le futur métro. Ils sont en train de creuser là. Ouais, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression d'être plutôt dans les mines de la Moria. J'ai plus l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux que à San Francisco. Excusez-moi du peu. Ou Altered Beast. Ouais, par exemple. Dans l'esprit plus pixel art, ouais. Je crois qu'il y a un passage comme ça quand t'es en dragon. Ah mais non, ah mais oui, ça fait des petits cailloux maintenant. Enfin, en gros, vaut mieux les éviter, quoi, limite. Oui, voilà. Aïe. Un copter, comment il a fait pour venir. Il y a super copter dans le coin. Eh, le mec, c'est un bon pilote, hein, parce que pour se prendre les stalagmites ou les stalactites... T'as vu ça. Non mais c'est super copter, c'est pas... Merde, moi je me jette sur les rochers. On ne sait pas pourquoi il y a des rochers qui volent en plus comme ça. Parce que tu vois qu'il y a des doubles gravités, hein, ils vont vers le haut et vers le bas. Mais qui envoie ces missiles? On ne sait pas. Le bruit ici. Il y a un Concorde. Fais gaffe, il y a des Concordes. Attention. T'as Concorde et après t'as ça. Attends, ah merde, j'ai pas vu. Oh, attention, il y a R-Type. Non mais j'adore parce que t'esquives les gros lasers de ouf là. Là tu prends un vieux missile pourri. Les petites merdes. Ah, le truc tellement dégueulasse, trop dur à viser presque. Mais ouais. Ah, j'ai tué la saloperie. Ça fait trop plaisir. Yeah, on va à Las Vegas. Ah, go to Las Vegas. Papa, 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 papa. Je remets le crédit parce que Butter ne remet jamais des crédits. Ah, c'est moi qui ai mis la première pièce. Après, c'est chacun son tour. Ouais. Pas toujours les mêmes qui payent. Hein. Dédicace à Nicolas Leclerc. En fait. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai plus dédicacé, mais oh, on veut des cigarettes pour me détransformer. Ah merde, c'est moi qui l'ai pris. Ouais. Ah mais c'est de la gruche. Faut pas le monter et le taper. Oh Batman. Ah non. Ah, ton costume est bien imité. Il manque ta cape. Mais non. Oh le Joker. Ah, oh, espèce de catin.
Merde, je suis passé à travers. Oh là ! La chose ! La chose avec un slip. Attention ! Ah non. Ah si. Ah, The Beast. Ouais, ouais, il hésite, hein. il cherche, hein, j'ai l'impression, au niveau des couleurs. C'est un mec qui cherche, il sait pas trop encore. Il dit bleu, The rouge, Beast, bleu, il rouge. Est-ce que je vais me mettre bleu, rouge? Ah non, il est bleu, mais comme il est vénère, il se rougit. Mais comme il est bleu... Ah ok, on change de couleur. Bah, je me suis retrouvé là, en fait. J'ai envie de dire ouais. Faut le taper, le mec, hein, sinon il va te foncer dessus. Bah ouais, il va mais si t'as pas le timing... Faut le taper même dès que tu vois. Bah non, j'étais pas porté. C'est pas grave. C'est pas grave, bah non. C'est plutôt gênant, mais non. C'est, ça s'appelle allez. Du ça s'appelle du pré-shot. Bah non, parce que voilà. Putain, mais la saloperie finie. D'accord. Oh, Terminator. Terminares, ouais, Terminator. Ah, il met des coups de pompe. Donc c'est pas grave. Ah ouais. Non, je suis mort, je prends le cul. C'était pas dégueulasse, ça. Oh, le Clousino. Oh, la saloperie. Pour ne pas dire autre chose. Oh, des missiles, encore. De toute façon, moi, c'est mes passages préférés. Mes passages favoris. Pardon. Ah, mais on peut pas faire un... Oh, il y a des structures bizarres dans le désert. Ouais, il y a bien une version de Goldorak pour comprendre. Ah, la zone 51. Ah, ouais, ça doit être ça. C'est pour ça qu'il y a des structures bizarres. Bah oui. Encore supercopter. Par contre, j'ai jamais compris si les trucs noirs fallait les prendre ou les casser. Non, les casser. D'accord. Ah oui, c'est en fait c'est censé représenter des morceaux de l'hélico. C'est ça. C'est bleu. Okay. C'est bleu ou jaune. Non mais je demande, on sait jamais, je sais pas moi, un truc bonus pour avoir cassé la gueule à un hélico. Bon, vous me direz que c'est la gueule à un hélico pour Superman. Voilà. Il est pas mal résistant. C'est Superman quand même. Ouais, t'as vu ça. Enfin, je suis peut-être Superboy ou je ne sais pas, super bonhomme. Moi, t'es super girl, toi. Super mal. D'accord, il y a Superman et super mal. Ouais, il y a Superman. Mais bon. Ouais, ils auraient pu mettre aussi Super Girl avec lui. Ça aurait été pas mal. Superman et ouais, Super Girl le contre lui. Waouh, ça sent le wipe. Attends, j'appuie sur Star, moi. J'appuie sur Star. Ouais, moi aussi. Attention. Push-tar, attention push-tar, les oreilles. Push-tar. Ah bon, moi je peux start. Désolé pour la gêne occasionnée, mais bon, vous avez l'habitude, hein. Ah non, ah, là, relance tout. Le jeu, s'il te plaît, le crash. Bah, moi ça la playa. Fais ton truc avec la vidéo. Ah, c'est bon. Bon, je vais prendre du dégât parce qu'il faut que je remette le son. Bah oui, parce que moi, comparé à Peter. Moi je suis plus rapide, je vous enlève le son. Ah ouais, non, mais à chaque fois après quand je fais ça, j'ai une latence dans les déplacements et de la manette. Ah bah là j'ai une putain, là j'ai une latence de ouf. Bah moi j'ai jamais eu ça. Ah bah tu vois, tu comprends ce que je ressentais quand j'en parlais. Est-ce que tu comprends ce petit décalage de 0 à 5 secondes? Ah bah là oui. Qui rend le... Regarde, là je suis en train de faire avant, là je suis arrière. Bah oui, non mais c'est... Bah oui, voilà. Ah non, là il y a un décalage de malade, on va à Washington DC. Yeah, on va dans la capitale. Capitalon, les amis. C'est le moment de capituler. De capituler. J'aime bien quand tu dis... quand t'as dit ça. Capitalon, les amis. Le fait que t'as dit les amis, ça me fait penser à Pigeon et à Raven. Ouais, les séries moisies de Peter. Voilà. Oh non. Voilà. Pour ceux qui nous auraient pas suivis. Série moisie, le gars il était en manque, il me réclamait des épisodes tous les jours. Voilà, tous les jours, ah oui, ça c'est vrai. Bah j'aime la merde, c'est bien connu. Non mais, faut le dire. Je suis un merdeux, j'aime la merde. Et puis comment j'emmène Bottas si c'est pas pour lui dire des conneries? À un moment donné, faut être logique. Comment j'harcèle Bottas sinon?
Je suis là pour ça. Oh, il s'est fait agresser par... je ne sais pas. Hadouken ! Il s'est barré. Il va prévenir ses potes. Oh, il est revenu. Il va prévenir ta mère. Oh, regarde, il y a le Bélix. Il y a la Maison Blanche. Il y a la voiture du président. Bam ! Yasmine. Ah non, il m'a eu. Oh non, oui, mais c'est bon. Non, mais sérieux, faut quoi. Le taper. Péter sa gueule. Ah, c'est l'entrée secrète pour aller dans la Maison Blanche. Piccolo. Oh, c'est tiny, t'as vu ça? Oh, le retour des missiles. Il paraît plus grand dans les airs. Ah, c'est des missiles à courte portée. Et calme-toi. Oh, Aquaman. Je sais pas si c'est son casque, hein, on aurait dit un casque de plongée. Allez, il frappe fort. Hein. Vraiment, je t'ai dit, mais deux coups. Tiens, Hadouken, pars avec la boule. C'est des ouf dans ce jeu. Carrément. Elle rigole up. La gueule, t'es chauve. Ah bah c'est gentil ça. Regarde, il m'emmène à... Oh, Piccolo, comment il défonce. Mais non, il m'emmène pour que je le frappe. T'as pas compris, en fait. Il croit que c'est pour son bien, mais en fait, c'est pour son mal. Pam, pam. Pam, 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 pam. T'es qui, toi? Ah, c'est le retour de Flamèche. Ouais. Mais en rose. C'est ça, Flamèche. Il est vénère parce qu'on a tué son frère. C'est son côté gay. son côté ouverture d'esprit. Oh la quête. Moi aussi, je peux faire des flamèches. Oui. Allez, une pompe dans ta gueule, moi j'y... Y a que ça de vrai. Super, les amis. Parlons moins bien de la bouche. Ah, le décalage est parti, j'ai l'impression. Mais oui, je t'ai dit, après ça se remet. Ouais. Oh là, les mines sont dures. Mais... C'est ça, Projet Manhattan? Des mines dans le ciel? Ouais. Ah, ça, c'est projet anti-Superman. Là, moi, je vais tout me prendre. Le projet bordel aérien. Ah bah là, c'est les débris de l'espace, en fait. Ah ouais, d'accord. Venge-moi, Kal-El. C'est toi, Kal-El. Non, moi, c'est Jor-El. Jean Jaurès, si tu veux, ça te regarde. Tu veux faire Jean Jaurès? Ah oui, ça. Là, qu'on a l'école jusqu'à 16 ans. Quand on parle pas de Batman, hein, monsieur est perdu. Ah non, je connais Jaurès, c'est bon. C'est le grand-père à Superman. Faux, c'est son papa. C'est son troll. C'est son père mort qui arrive à lui parler malgré la mort. Voilà. Suspect quand même. C'est son père mort ressuscité par l'image parallèle. C'est juste qu'il est dans une base de données dans une sorte d'holocron à la Star Wars, tu sais. Bah que oui, même si t'es mort, tu peux toujours parler. Bah c'est ce que je dis, ressuscité 30 ans plus tard. L'image virtuelle. Ouais, monsieur. Donc Superman serait peut-être dans le monde de Star Wars. Mais il est dans la matrice, en fait. De toute façon, Batman, c'est connu, c'est supérieur à tout. Voilà. Encore lui. Putain, ils ont kiffé les vaisseaux de l'espace dans ce jeu. Allez, mec, on va faire quoi comme méchant dans les airs? Oh, tu mets du vaisseau. Vas-y. Ça fait cool. En fait, il y a un mec qui s'est occupé de la partie beat'em all, et il y a un mec qui s'est... C'est chargé de la partie shoot them up et il kiffe les voilà. Il a dû travailler sur R-Type ou un truc comme ça. Cette phase elle est très ressemblante au boss du 3-2 ou 3-3 du Batman Game Boy. T'es au courant qu'on pouvait pas esquiver là, t'as vu les boules, ils revenaient en arrière et tout.
Mais bien sûr que si, on peut... Ouais, go the spaceship. Normalement, il faut le timing. Après l'avoir cherché sur la planète entière, on s'est aperçu qu'il était dans l'espace. Ah, cool. Ah bah c'est bien, comme ça, on reste en l'air. Ouais, on est dans la stratosphère. Monsieur, toi, la stratosphère. Ou planosphère, je ne sais pas. Mais non, on est dans une... Ah, c'est ça, on va lui péter sa gueule et on va le prendre. On va prendre la base pour le... La Ligue des Justiciers. Mais non, le méchant, c'est Batman, en fait. On est dans sa Batcave. Sa Batciel. Ouais. C'est pour ça que t'es pas au courant, mais voilà. Ça bat, ah, c'est sa bat station. Voilà, sa bat station orbitale. Non, je te dis qu'on est dans l'univers de Star Wars, on attaque le... L'étoile noire. La première étoile noire. The Death Star. Voilà, encore des gros vaisseaux. On aime les gros vaisseaux. Voilà. Aïe. Aïe. Comparé aux autres boss, il touche pas, lui. Non, en fait, c'est ça le plan. Enfin, il fait pas mal. Les trucs d'en bas, comme ça, moi, j'esquive les trucs d'en haut. Et comme il y a plus d'en bas, eh ben, en fait, ça me fait tout esquiver. Ouais, d'accord. Ah, sauf que là, tu comprends pas le concept et ça marche. J'ai pas tout compris, mais je suis à fond dans tout. Je prends du dégât, alors. Ça colle pas. Faut se mettre plus près, t'en vois plus de rayons. Ah ouais, bah oui. J'allais vous le dire. Bah, vu que ton rayon disparaît. Bam! Oh, c'est quoi ce diapignou là? Ah, c'est un lapin qui a un dessin en plus, regarde. C'est une lapine? Ouais. Bah non, calme-toi le jeu. Elle est où? Oh! Prends le pouvoir! Pas trop tard, je le prends. Bam! Ouais, je te donne. Bam! Bam! Je l'ai pris, sans faire exprès. Ah. C'était Greedo. T'as pas vu, il y avait Greedo. Greedo? Donc ça confirme l'hypothèse qu'on est dans Star Wars. Là, vas-y, prends. Oh non, mais... Oh, la poisse. Ah bah ouais, le truc qui m'a mis de faim. Poissophique, mais... Ah mais non. Mais vas-y, y'a rien à afficher, là. Fais pas chier. Bah oui, commence pas nous... Oh. Sinon, je te latte les couilles. Voilà, tout à fait. Latte lui les couilles. Ah, fais gaffe, y'a un mec qui disparaît. Il fait des câlins. Et un pervers. Il y a un vil pervers. Il y a un pervers qui s'agrippe. Laisse mon coma, toi. Espèce de pervers. Ah, il m'a dit que j'aime les beaux gosses. Espèce il m'a chuchoté à l'oreille. Espèce de groupie. Il m'a dit j'aime pas le slip de laver de ton copain, alors je me mets sur toi. Ah, je me suis pris un tir. Voilà. Salaud. Mais il ne fait que répéter ce qu'il a dit. Ah, quand tu prends une boule jeune, ça te donne. Tu peux lancer une boule tout de suite. Ah, Greedo, le retour de Greedo. Ah ouais, Greedo, ah ouais, mais carrément même. T'as vu qu'on est dans Star Wars? Oh, t'avais raison. Oh, le clin d'œil. Le retour de Greedo. Oh, mais Greedo, il est partout. Alors, si vous avez la marque de sa race de Greedo, dites-le dans les commentaires. Pour voir si vous avez regardé jusqu'au bout l'épisode. Bon, on appelle même plus, perso. Alors que je l'ai vu il y a pas longtemps. De quoi la marque? Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps. Sa race? Ouais. Je l'ai vu il y a un mois et demi maintenant. Ouais, en même temps, c'était il y a un mois et demi. Voilà, c'est pour ça. Bah oui, parce que pour les 40 ans, fan. C'est bon. J'ai regardé du Star Wars pour les 40 ans. Ah bon? On se doute bien, bah oui. J'ai fait mes efforts with you, moi. Oui, je sais. Tu vois, c'est Star Wars, regarde. Avec le combat contre Dark Maul. Il y a des téléporteurs. Oh! Non, mais voilà. Non, c'est les barrières, tu sais. Comme le combat qu'ils doivent attendre pour Dark Maul. Ah oui! Oh, c'était Supergirl qui était en mode méchante. Ouais. Eh ouais, t'as vu, les mecs, ils avaient pensé à tout. Par contre, j'ai pas compris ce que le truc de barrière faisait là, mais. Je ne sais pas. Architecte est pourri. Bah, c'était pour te faire perdre du temps, quoi, en gros. Ça marche pas trop bien, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le concept était bordé. Attention, il y a un vide pervers. Lâche-le.
Mais c'est Batman. Non, c'est pas Batman, c'est pas vrai. Batman n'est pas comme ça. Ah, Grido, casse-toi. Ah, il y a plusieurs Grido. Il est venu avec sa famille. Il y a la famille Grido. Ah, si, c'est Batman. Non, c'est pas Batman, il ressemble à un ninja. Alors, Batman est une formation de ninja. Et alors ? C'est 3PO ! Ville Gredin ! Je pense que notre théorie est bonne. Ah ouais, on est bon. On est sur la bonne voie. D'où qu'on va ? Le méchant, c'est l'empereur. Ah, ça y est, faut aller dans le noyau. Il faut détruire l'étoile noire. Luke, fais confiance à la force. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le vieux débris ? Pourquoi il y a un mec qui parle ? Ben ! Ben, mais c'est qui Ben ? Je m'appelle Obi-Wan, crétin, je m'appelle pas Ben. Mais c'est qui ? Mais je ne connais pas d'Obi-Wan. Qu'est-ce qu'il est con ? Monsieur, vous êtes trompé de série. Ah merde, ah oui, il y a une défaillance au niveau de mon communicateur. Oh, le mec qui avait pas du jot, quoi. Obi-Wan Kenobi qui doit pas se faire attraper par l'Empire. Il change son nom, ouais, Ben Kenobi. Ouais, le les mecs vont pas faire le rapprochement. Ah, c'est pas lui. Il s'appelle Ben. On cherche un Obi-Wan. Vous pouvez y aller, monsieur. Faites attention. Et n'oubliez pas, l'Empire est là pour vous protéger. Oui, on l'a perdu sur un nouvel épisode. Comme ça, je rattrape. Voilà, c'est bon. 5. Mais non, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Le mec. Ouais, non, mais il y a le vieux Ben, quoi. En plus, ils font genre, ils appellent le vieux Ben, tu sais. Ah oui, je l'ai connu il y a très longtemps, quoi. Ah oui, puis là, il dit, ouais, ce vieux fou. C'était un pote à nous. Et surtout son courant, quoi, les mecs. Ouais, l'oncle, il le connaît. Je crois que c'est un vieux fou pour lui, un truc comme ça. Un vieil ermite, machin. Bah oui, parce que c'est lui qui lui dépose Luke, donc forcément il est. Oh putain! Ah non, c'est derrière là. Oh, il y en a deux! Déjà. Oh! Il t'attrape, fais gaffe! Mais c'est vrai que, ouais, genre. Mais non, je suis Ben Kenobi, c'est pas moi, Obi-Wan. Alors tu te rends compte que l'Empire le cherche, ils arrivent pas à le trouver. Et lui, le premier truc qu'il entend, c'est Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Ouais, il parle peut-être du vieux Ben. Mais c'est tellement ça. Il s'appelle Ben Kenobi. Tiens, d'où Ken? Ah non, derrière, dans notre dos, It's a trap. Ah, donc tu vois, C'est tellement ça, mais il parlerait pas du vieux Ben. Non, c'est une coïncidence. Occupe-toi du gros, je peux le taper le. Ah ah! Regarde comment je le boxe. Meurs Boba Fett! Regarde, en même temps, tu vois. Ah lui, t'as vu, il s'est sauvé! Eh oui, donc le compteur est un 5, hein. Compteur de perdition. Non! On a sauvé la Terre. Enfer et damnation! On a sauvé la Terre. Je suis deuxième. Et nous, on n'a pas le temps de se reposer. Putain, Putain, je suis dégoûté. J'avais réussi à te faire rire. J'avais rattrapé mon. Ah si, quand tu riais, j'avais rattrapé mon retard. J'étais devant toi. Mais c'est moi qui suis en retard de. Non, mais tu sais que je suis à. T'as attrapé. 15 et 30 000 points de retard depuis tout le jeu. Et t'as je t'ai dépassé seulement à la fin. J'ai T'as tapé beaucoup de moches. Ouais. Sorte de rancard, mais sur deux pattes. Ouais, mais voilà, je t'ai mis 20 pam, 000 à pam, pam. Pam, pam, pam. Oh, il y avait un Kira Satio. Saito. Ce salaud, le mec, il essaie de me perdre en route. Ouais, mais oui. Je t'ai dit, je continue à jouer, moi.
Spécial, même dans ces cas-là, je suis pro. Spécial merci tout many other people. Tous les autres gens. Ceux dont on se rappelle plus les noms. Tous les mecs qu'on n'a pas voulu mettre parce que voilà. C'est-à-dire ceux qui ont apporté les sandwichs et les cafés. Un jeu de la fin. Ah, une explosion sur Terre, vite on y va. Ça se tenait bien pour la fin des années 80. Bon, voilà, un nouveau jeu fini. Faut que tu mets le nom, non ? Attends. Non ! Oui ! Reviens ! C'est pas grave, ce sera DDA. Voilà, c'est moi DDA, la vidéo fera preuve de toute façon. Bah ouais, bah il va vouloir venir en arrière, ce petit con. Voilà, pour la peine, j'espère que Butters va mettre des LBBBS, parce que ça fait HIP à choper. HIP à choper. Par contre, c'est... Bah, c'est le mec qui s'appelle MRB. Mister B, s'il te plaît. Appelle-moi Grand Maître B. Un grand maître bi, ouais, le mec qui s'est pris pour une abeille. D'accord, ouais, on va se quitter là-dessus. Monsieur ouais, Abeille, donc, bah, merci d'avoir merci à tous d'avoir regardé, voilà, et j'espère que ça vous a plu. Comme bah, ça moi, nous a moi, plu. Moi, ça m'a plu. Moi, ouais, c'était bien, c'était pas mal, on a bien rigolé. La petite théorie Star Wars qui tenait la route, c'était ça sympa. Ça tenait bien la route. Le petit plus. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Le petit côté déconnade. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, voilà, comme toujours, hein, pour ceux qui passent sur les vidéos, n'hésitez pas à regarder un peu tout ce qu'on a fait et ce qu'on fait à côté aussi. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera pour un prochain épisode. A ciao, ciao tout le monde. A ciao les amis.